Amen. La quatrième caractéristique, c'est le bon berger. Oh, Marachika. Nous revenons, mais bien, le psaume 23. Oh, Marachika Manakaya. Le psaume 23, rapidement. Yokoshima Rakome. Commencez maintenant. Commencez seulement dans la joie. Oh, Yokoshima Nakaya. Alléluia. Alléluia. Psaume 23. Psaume 23. Oh, Marachikaya. Verset 4. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je l'éclairerai, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça nous amène à la cinquième caractéristique qui dit, le bon berger protège et rassure. Quand tu as ceux qui ont les assurances, volent dans la maison et tout ça, quand ils sortent, ceux qui ne croient pas en Dieu là, ils sont assurés. C'est si un voleur entre, la compagnie va savoir qu'il y a un voleur qui est entré. Quand la protection est là, il dit doit démontrer l'assurance. Quand tu crois que l'Éternel est ton berger, tu dois être une personne de rassurant. On a vu dans l'enseignement il y a quelques temps, sur les symptômes de la foi, l'assurance est une expression de foi. Tu dois être assurant. Amen. Même quand tu commets les bêtises que tu viens de voir, Dieu, les attaques de Bré les dit, de venir devant la face de Dieu, devant le trône de Dieu, et assurer, avec assurance. Tu ne peux pas venir devant Dieu sans assurance. Il est le bon berger. Viens avec l'assurance que ce que je vais demander, Dieu va écouter, il va m'exaucer. Mon pardon que je vais obtenir, je vais l'obtenir. Amen. Viens avec assurance. L'image ici dit, il dit simplement, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. La vallée de l'ombre de la mort, c'est quoi? C'est le temps de difficulté. C'est la vallée de où tu vois que tout est ténèbre. Tu te dis, oh Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Toi, ne crains aucun mal. Amen. Le Dieu que tu pries, il est le Dieu du jour, il est aussi le Dieu de la nuit. Amen. J'ai posé la question aux objectifs, aux enfants, j'ai dit, qui est Abaddon? Ils n'ont pas su répondre. Il a dit, Abaddon, c'est un ange, et l'ange de la Bible. Même l'ange de la Bible est contrôlé par qui? C'est l'Éternel des armes. Nous comprenons ça, mes bien-aimés? S'il contrôle le ciel, la terre et les sous-terres, comment? Il ne connaît pas ta difficulté. Il connaît ta difficulté. Il va te faire sortir. Amen. Toi, trouve l'assurance. Quand tu as cette assurance, tu es calme. Tu dors bien, tu t'inquiètes pas, mais comment je vais faire? Tu commences à. Non, non, non. Alléluia. Oh, ma chica, ma roca, ma chica. Amen. Amen. Il dit simplement, ta houlette et ton bâton me rassure. Amen. On va en parler de ça. Alléluia. Je crois que le temps est vite passé. À croire Jésus-Christ. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassure. Vous savez, le mot houlette et le bon bâton, en bon français, on a une tautologie, c'est deux mots qui disent la même chose. Ça veut dire deux bâtons. Amen. Dieu nous conduit par deux bâtons. Amen. Le berger naturel a un seul bâton. Il a un bâton pour. Les bergers ont toujours eu des bâtons. Alléluia. Vous voyez, dans tous les pays, ils ont toujours eu des bâtons. Amen. Alors, le berger Dieu, ou Jésus-Christ de Nazareth, nous conduit avec deux bâtons. Deux bâtons spirituels. Alléluia. C'est une révélation que Dieu m'a donnée en 2001. Alors, dans Zacharie 11, gloire à Jésus-Christ. Quand Dieu t'explique quelque chose, ça ne quitte jamais ta tête jusqu'à ta mort. Alléluia. Et Zacharie 11. Oh, Roshika Manakai. Alléluia. Pour que tu sois encore en sécurité, pour que tu sois bien, pour que tu ne crains plus. Écoute ce que dit Zacharie 11, verset 7. Zacharie, vous êtes là, vous tous. Zacharie, allons dans Zacharie. Si vous voulez aller rapidement, commencez par le Nouveau Testament et remontez. Après Malachie et puis vous arrivez à Zacharie. Alléluia. Amen. Zacharie, pour moi, c'est le prophète qui a été tué à l'autel de Dieu. Amen. C'est pour dire que ce n'est pas étonnant qu'on peut être tué à l'église. Mais je ne ris pas. C'est vrai. Alléluia. Zacharie est mort. Jésus a rappelé dans son enseignement. Amen. C'est le Zacharie là. Alléluia. Voilà ce qu'il a dit au verset 7. J'ai dit la parole du Seigneur. Je me mis à paître. On peut commencer au verset 6.
Car je n'ai plus pitié pour les habitants des pays de l'Éternel. Voici, je livre les hommes aux mains des uns des autres. Ils ravageront les pays. Je ne délivrerai pas de leurs mains. Alors, je me mis à perdre les brebis destinées à la boucherie en assurant les plus misérables, assurément les plus misérables des troupeaux. J'ai pris deux houlettes ou deux bâtons. J'appelais l'une grâce, j'appelais l'autre l'union. Et je fis perdre les brebis. Amen. Amen. Dieu nous conduit par des bâtons. La grâce et l'union. Amen. Amen. La grâce, vous la... nous sommes sauvés par elle. La grâce est venue par Jésus-Christ. Tout ce qui s'est fait dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, s'est fait sous la grâce. La grâce, ce n'est pas comme les gens croient, hein? Malgré moi, Dieu agit. Non. Tout ce que nous pouvons faire, parce que nous ne pouvons rien par nous-mêmes, faisons par la grâce du Saint-Esprit, c'est fait sous la grâce. Amen. C'est par la grâce que Dieu te conduit. Et quand il y a la grâce que tu es dans la vallée de l'ombre et de la mort, que la grâce est sur toi là, l'ennemi ne peut pas te toucher. La condamnation ne peut pas te tenir. La culpabilité ne peut pas te tenir. Tu vas t'en sortir par la grâce de Dieu. Amen. C'est une houlette importante. Je donne les autres enseignements plus profonds pour ça. Aujourd'hui, j'énumère simplement. Deux houlettes qui nous comptent. Les chrétiens qui perdent la marche par la grâce à des problèmes. Amen. Ceux qui ont perdu la vraie raison de la grâce ne vont pas avancer avec Jésus-Christ. La grâce n'est pas la permission à tout faire. Mais la grâce signifie que la vie que j'ai obtenue par Dieu, je ne l'ai pas méritée. Lui-même est venu vers moi. Il m'a sauvé. Il m'a mis le Saint-Esprit. Maintenant, je peux faire des choses par sa grâce. Alléluia. Ça me donne de l'assurance. Amen. Tu vois, le psaume 23 dit quoi? Oh, ma chikama, le koshim, le kaya. J'ai craint au vrai mal. Toi, vous voulez de ton bâtiment, mais faut quoi? Mais rassure. La grâce vient te rassurer comme enfant. Et Dieu. Alléluia. Je viens encore sur mon ami, pas mon ami, Akab encore. Hein? Akab s'est humilié. Dieu l'a pardonné. Comment toi, tu ne peux pas croire que Dieu va te pardonner? Je parle à quelqu'un là. Tu dois être coupable de quelque chose que tu n'avais pas dépassé. Quand tu as dit Seigneur, vois-moi, j'ai fait ça, pardonne-moi. Il t'a pardonné. L'assurance vient par la grâce, par le premier bénéfice de la grâce, c'est le pardon. Le pardon du péché. On n'est plus coupable du péché. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. De la punition, il a subi la punition pour que toi tu aies la paix. Tu peux vivre dans la confusion. Alléluia. Ça, c'est le premier bâton que Dieu nous conduit. Le deuxième bâton le plus difficile à réaliser par les enfants de Dieu, c'est l'union. Il y a une relation verticale et une relation collatérale. Tu dis que tu aimes Dieu, mais que tu n'aimes pas ton prochain, ça ne marche pas. L'union ou l'unité est spirituelle. À l'état des pays, il a rompu sa dit, Israël et Juda, vous ne serez plus ensemble. À cause de quoi? Du péché. Comprenez un peu. L'union. Les chrétiens doivent être unis. Il faut tout faire de ne pas être au cas où je suis sur quelqu'un. Le murmure, commenter sur quelqu'un. Arrêtez ça. Vous voyez un peu? Dieu n'aime pas. Dieu dit, ne murmurez point. Ne vous plaignez pas les uns, les autres. Priez les uns. Ce qu'il faut faire, c'est prier les uns, les autres. Ça, c'est sourd l'union. Parce que quand la grâce est manifeste, que l'union n'est pas là, ça ne donne pas beaucoup de résultats. Quand la grâce est manifeste, que l'union est là, l'onction convoitive arrive. Vous allez voir des choses incroyables. Vous comprenez ça? Et tout ça, ce n'est pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand il y a des difficultés là, regarde la grâce de Dieu. Et puis, fais tout pour mettre ton prochain. Fais du bien à ton prochain. Oh, ma chère. Alléluia. L'union et la grâce. Au chèque malakai. Au maraman chèque malakai. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous comprenez ça, mes bien-aimés? Donc, chaque fois que tu marches, tu dois commencer par grâce, j'ai réfléchi. C'est par grâce, j'ai fait ceci. L'enseignement ici est donné par grâce. Je vais dormir. Je suis allé commencer. C'est commencé à quel âge? À quelle heure? 2h du matin. Par grâce. Je reçois. Par grâce,
Les dons sont donnés par grâce. Tout ce que nous faisons, c'est par grâce. Alors, pour que la grâce ait la grande dimension, il faut que la grâce soit communiquée aux autres. Tu dois aimer, tu dois communier cela aux autres. Faisons tout notre effort pour toujours être unis spirituellement. Alléluia. Amen. Alors, on va voir la manifestation de Jéhovah. Et le temps que vous passerez dans la vallée de l'ombre et de la mort sera très court. Les deux bâtons. J'ai un enseignement plus profond pour ça. C'était juste pour vous rappeler que Dieu protège et rassure. Alléluia. Les deux bâtons là, extrêmement importants. Alléluia. Oh, Shika Malaka. La dernière caractéristique d'un berger, le bon berger conduit les brebis. Et les brebis reconnaissent sa voix. Oh, Yeshua Maranatha. Alléluia. Les brebis reconnaissent sa voix. Alléluia. Quand il te connaît le sentier de la justice, il ne connaît pas sa voix, il ne sera jamais dans le sentier de la justice. Si tu ne connais pas ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit, comment tu vas te culpabiliser pour Dieu? Beaucoup des enfants, parce qu'ils ne connaissent pas la Bible, c'est tout. C'est qu'il va vivre même des choses qu'il ne faut pas culpabiliser. Alléluia. Amen. Amen. J'ai déjà vu des gens vivre leur lit conjugal comme c'était un lieu d'abomination. Parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Alléluia. Parce que quand tu connais, tu écoutes la voix de Dieu, beaucoup de choses, la Bible dit, tu connaîtras la vérité, et la vérité t'affranchira. Tu comprends maintenant ce que veut dire la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons maintenant, allons dans Jean 10. Non, c'est Jean 10, allons dans Jean 10, je vais trouver le verset rapidement. Oh, ma chachana la maracaille. Elle étonnera le monde. Elle étonnera le monde. Elle étonnera le monde. Gloire à Jésus-Christ. Oh, oh, oh. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. On va arriver sur ça. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Allons d'abord dans autre chose. Saint-Esprit, permets-moi. Il y a quelque chose de merveilleux que Dieu nous enseigne ce midi. Alléluia. Oh, ma chica, manakaya. Jean 10, au verset 3. Les portes ouvrent. Et les brebis entendent sa voix, il appelle leur nom, par leur nom les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors. Lorsqu'il les fait sortir des troupeaux, il marche devant elles, les brebis les suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Les brebis suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Si tu ne connais pas la voix de Dieu, tu ne connais pas la voix de Jésus-Christ, tu ne suivras jamais Jésus-Christ. Il faut connaître la voix de Jésus-Christ. Alléluia. Quand on va étudier les caractéristiques des brebis, j'ai encore 15 minutes, je crois. Amen. Parce que je dois prier pour quelqu'un après. Et vous allez comprendre que c'est important de reconnaître la voix de Dieu. J'ai donné un enseignement il y a quelques temps. Je crois sur le site. Je vais mettre ça sur le site. J'ai donné en 2004 sur comment écouter la voix de Dieu. C'est très, très profond. Alléluia. Tu dois connaître la voix de Dieu. Si tu ne connais pas sa voix, comment tu vas le suivre? La meilleure façon de connaître la voix de Dieu, c'est connaître la parole de Dieu. Si je connais la parole de Dieu, je connais la voix de Dieu. Amen. Même ce que la voix audible de Saint-Esprit va dire va être toujours conforme par rapport à ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu dois connaître quand Dieu te parle à ton cœur, c'est Dieu qui te parle. Il faut faire la différence entre toi-même et Dieu. Alléluia. Je vous dis, je vous ai dit une fois, en 99, mon auto était en panne et puis j'ai dit, je voulais changer la j'étais encore trop mécanicien là. J'aime beaucoup la mécanique, mon oui. Je voulais changer les serpentines bêtes. Vous voyez les serpentines bêtes? Alors je l'ai changé et puis le soir est arrivé et puis j'ai cassé un boulon et puis c'est devenu compliqué. Alors je l'ai terminé à 23h. Je suis allé sur le lit, je prie, je vois la vision de la voiture. Ça signifie quoi? Je prie, je vois la voiture là, je me vois en train de réparer. La préoccupation, j'ai compris que même les préoccupations peuvent entrer même dans une vision spirituel pareil. J'étais tellement préoccupé par ça. C'est ce jour-là que Dieu m'a appris ça. Alléluia. C'est pourquoi quand tu reçois une vision comme ça, il faut que tu le discernes par rapport à la parole de Dieu. Chaque fois que vous m'appelez avec une vision, vous ne voyez pas interpréter en dehors de la parole de Dieu. Je reste calme pour trouver que Dieu m'aide à trouver un verset qui va expliquer ce que tu vois. On a dit que le Dieu du surnaturel, c'est le Dieu du naturel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. Donc, les bons bergers conduisent ces brebis et les brebis plutôt qu'on reconnaisse.
connaissent la voix du berger. Amen. Alors, autre part, il dit au verset 27, Jean 10, verset 27, mes brebis entendent la voix, je les connais et ils me suivent. Amen. C'est seulement les brebis qui entendent la voix. Dans les contextes où il parlait de ça, il disait aux Juifs, si vous étiez mes brebis, vous écouteriez ma voix. Et puis quand il a commencé à parler de tout ce qu'il peut, et il a le pouvoir de prendre sa vie, de donner sa vie et puis de la reprendre, ah, ils ont dit qu'il avait un démon. Alléluia. De nous dire simplement, écoutez la voix de l'Église. C'est quoi le silence d'abord quand vous priez? Extrêmement important, d'abord prier. Et lisez la Bible, mais écoutez la voix de Dieu. Alléluia. Dieu veut nous parler. Alléluia. Amen. Donc les brebis de Dieu écoutent la voix de Dieu. Si les bons bergers parlent, les brebis doivent écouter. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je vais juste... Amen. 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 Donc, et juste une question. Quelle est la chose la plus précieuse que le bon berger nous a donnée? Hein? L'amour. Oui, bon. L'amour. Oui, l'amour. Bon. Tu es allé aux feuilles. Donne-moi la racine. Amen. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, le psaume 23. Je vous dis que le psaume 23, vous l'avez dit, peut-être vous le lisez mal. Alléluia. Alors, le psaume 23, c'est que le Saint-Esprit fait faire. Gloire à Jésus-Christ. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni en ce midi. Alléluia. Le psaume 23, verset 5. Amen. Psaume 23, verset 5. Déjà, un ça, il faut le combat spirituel. Amen. Il dit quoi? On peut lire tous. Qu'il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Tu vois d'huile ma tête et ma coupe est bonne. Tu vois d'huile ma tête et ma coupe est bonne. Amen. Il te voit d'huile. L'huile, c'est quelle huile? C'est le Saint-Esprit. Amen. L'huile, l'eau, le feu, c'est le Saint-Esprit. Amen. En face de qui? Des adversaires. Ça veut dire le bon berger, là, quand tu es en difficulté. Alléluia. Tu vois qu'il approche des murs partout. Cherche que sa présence soit manifeste en toi, que le Saint-Esprit te déborde. Pour les silas, on peut qui cela dans Actes chapitre 16. Vers le milieu de la nuit, commencer à louer, à prier Dieu, et les murs ont tremblé. Il tombe par la puissance de quoi? Saint-Esprit. Amen. La chose, quand tu donnes ta vie, je lui ai donné quelque chose de précieux. C'est le Saint-Esprit. C'est le gars qui a parlé, mon fils, là, l'amour, c'est un fruit. C'est une portion du fruit de l'Esprit. Alléluia. Alors tu dois comprendre quand il dit, il traite devant une table, c'est-à-dire qu'il vient tellement te rempli d'assurance, de joie envers les ennemis. L'ennemi ne fait rien, te fait dire, oh, comment je ne touche pas? Alléluia. Un ami m'a appelé, c'est un bon ami à moi. Je me rappelle, je n'oublie jamais quelqu'un qui me rend service. Je me rappelle en 93, devant une distance centrale, l'hiver avait commencé, il n'y avait pas de roues d'hiver. Il avait 4 roues d'hiver, presque 9 mètres de voiture. Il me dit, frère Laurent, je te donne 4 roues d'hiver. Je n'ai jamais oublié ça. Je n'oublie jamais. Amen. Alors hier, il m'a appelé pour que je l'interprète un rêve. Amen. Dans les rêves, on vient, on tire dessus là. Quand les balles les touchent, ça devient comme de l'eau. Et puis les gens, nous prenons, nous mettons l'eau dans l'eau. On le touche dans l'eau, on commence à tirer sur sa tête. Ça n'a pas marché. Il dit non, sortez de l'eau, prenons son sang, on va examiner, piquons les seringues. Ça montre vraiment qu'il ne peut pas la voir. J'ai dit, mon frère, bon, prends, j'ai vu ton programme, mais tu as vu maintenant, prie maintenant. Dès que tu me parles là, commence la prière. Je sais que tu prends un médicament pour une maladie, mais commence à prier, je t'envoie la prière de combat, fais-le maintenant. Dieu montre par là que cet homme-là ne prie pas beaucoup, mais c'est un homme intègre. L'intégrité, la bonté de garde. Te garde. Alléluia. Ce qui fait que là, ça aurait montré que l'ennemi l'attaquait, il ne pouvait pas l'atteindre. En d'autres termes, Dieu avait oint d'huile sa tête. Alléluia. Amen. C'est pourquoi laisser nous remplir le Saint-Esprit, c'est une bonne manière de combattre le diable. Être dans la joie, être dans la paix, glorifier Dieu le matin jusqu'au soir. Amen. Être toujours en présence de Dieu. Quand je vous dis, venez à 19, on termine la prière par la 30 minutes. Venez simplement. Amen. Il est lourd, ça coule maintenant là. Amen, vous êtes pas là, ça coule. Ça coule pour les gens au téléphone. Alléluia. Venez. Plus tu viens de la présence de Dieu, plus il va te remplir, plus l'ennemi ne peut rien te faire. Dieu est tellement bon qu'il nous a donné plusieurs manières pour que l'ennemi ne puisse pas nous avoir. Une de ces manières, c'est nous voir que la coupe du Saint-Esprit n'est pas. Un
un exemple biblique. Vous comprenez que les disciples de Jésus, avant Pentecôte, ils vivaient où? Cachés. Ils vivaient cachés. Ils craignaient qu'on les tue. Mais dès que les sept épisodes, ils sont sortis dehors. Même les gens qui les ont accusés, les accusent, ils ont dit, non, non, sachez-le bien que ça parle, les saluts n'est donné que par le nom de Jésus-Christ seul. Et que ces miracles arrivent dans la vie de cette personne par le nom de Jésus-Christ. Ils commencent à défendre Jésus-Christ sans avoir un honte. Ils étaient débordés du Saint-Esprit. C'était une huile qui débordait sur eux. La peur te quitte quand tu dis cette huile-là est sur toi. Alléluia. Tu peux entreprendre des choses maintenant là. Regarde pas, ok, je vais faire. Dans ces troubles-là, entreprends, commence un, deux, trois. J'ai dit, il y a une jeune fille qui va, Maria, qui va, on a vu une fois là, qui va à Maxime, une jeune québécoise. Et là, commencé les études, je l'ai croisé dans mon vélo quand j'évangélisais l'été. Il dit, je commence les études, mais rien n'entre ma tête. J'ai dit, je prie pour toi, j'ai prié pour elle. Là, j'ai dit, Maria, j'ai vu Maria totalement transformée. J'ai dit, Maria, tu es allé sur les sites? Oui, je suis allé sur les sites. Mais je te vois transformé. Il dit, les études vont bien, continue à prier pour moi. J'ai dit, Marie, lui, il est sur toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les chrétiens ne fuyaient pas d'être remplis de Saint-Esprit. Qu'on vous fasse pas peur. C'est un don de Dieu pour vous. Quand il est sur toi, lui va t'amener à faire beaucoup de bonnes choses. Alléluia. C'est un don de Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Oh, oh, oh. Romains chapitre 14. On va clôturer dans 5 minutes. Gloire à Jésus-Christ. Les remèdes, c'est la paix. Les remèdes, c'est... Oh, Seigneur, merci pour ta paix. Remercie pour la paix qui donne à nos cœurs maintenant. Seigneur, merci de que l'ennemi a été vaincu au Père. Merci pour la paix dans les cœurs, mon Dieu, de tous tes enfants. Que ton nom soit béni. Gloire à toi, Jésus-Christ. Romains chapitre 14. Oh, Roger, la joie. Roger, beaucoup de joie. Roger, la joie. Oh, Shundaoka Shikamalakaya. Alléluia. Amen. Car le royaume de Dieu ne consiste pas, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par qui paraît le Saint-Esprit. Alléluia. La justice, la paix et la joie paraît le Saint-Esprit. Amen. Tu, enfin, les anniversaires, Dieu te ouvre une huile. Donc, tu n'es pas terrifié. Déjà, maintenant, comment je voyage dans 900 km, dans des forêts incroyables, je n'ai pas peur. Je suis avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est extrêmement important d'enlever la peur de la vie, de laisser le Saint-Esprit vous remplir. C'est une grande arme spirituelle. Oh, gloire à Jésus-Christ. On va terminer. C'est quelque chose de merveilleux que Dieu nous a donné hier. J'avais mis ça à l'introduction en revenant dans Jean 10. Et rapidement, c'est pour votre connaissance spirituelle. En ces temps où les faux enseignants faisons de partout. Amen. Je veux juste vous dire que la conscience de Dieu grandit. C'est que nos pères qui dans les 60 là, il y a d'autres choses que Dieu ajoute. Ils ont mis les fondements. Il y a d'autres choses que Dieu ajoute structurellement, mais qui est sur leurs fondements. Soyez conscients de ça là. Alléluia. C'est une autre dimension nous sommes là. Le niveau de la conscience, vous voyez les jeunes gens aujourd'hui qui viennent à Christ, vous mettez la main, sont remplis d'esprit. C'est parce que beaucoup d'entre vous viennent d'arriver dans la chrétienté. Mais dans notre époque, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Les gens viennent juste à l'église, ils sortent. Amen. Nous sommes dans l'état où Daniel a profité que la connaissance est déjà grande, mais l'Esprit de Dieu se devient grand. Vous voyez, c'est pour simplement que les enfants de Dieu soient bien outillés pendant les tentations qui vont devenir aussi très fortes. Alléluia. Amen. Jean 10, allons dans Jean 10. En vérité, je vous dis, verset 1, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui entre ailleurs, c'est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte, et le berger est détourné. Alléluia. Les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Amen. Et puis allons au verset 7. Jésus leur dit, en vérité, je vous dis, je suis la porte des brebis. Ah, toi tu comprends. Hein? Amen. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris ce que c'est la chose qui va arriver bientôt. Vous comprenez cela? Il dit, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Au verset 7, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Comment le berger peut être la porte et le berger en même temps?
Oh! Alléluia! Gloire à Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est la porte de bergerie. D'abord, avant d'être le berger. Vous savez que Jésus-Christ était Dieu. Alléluia. On commence par là. Mais comment il devient porte? Qu'est-ce qu'une porte fait? Elle s'ouvre, amen, pour que les brebis ou les gens, hein, ils entrent. Alléluia. Mais quelle porte Jésus-Christ a ouvert pour que vous ayez accès au sanctuaire céleste? C'est la porte de son corps brisé à la croix. Amen. C'est pourquoi il est la porte, il est en même temps le berger. La porte à la fois que son corps a été brisé, nous allons lire cela, toujours ce que nous disons doit être appuyé scripturairement. Alléluia. Hébreux 10. Oh, mon chacha na malaké. Yeh, oh, shimara komara sakasha. Yeh, esprit de vaudou est brisé aujourd'hui. Esprit de vaudou est brisé. Oh, ma chika manakaya. Amen. Alors, comme vous dites, il y a une contradiction. Au verset 9, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et ailleurs, il dit que je suis le bon berger. Alléluia. Oh mon Dieu, que Dieu bénisse l'apôtre Jean. Alléluia. Ainsi, frère, nous sommes dans Hébreux 10, verset 19. Allons-y, c'est très important cela de noter cela dans vos Bibles. On va terminer par là. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ouh. Amen. Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus. Une entrée libre dans le sanctuaire. Amen. La route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers quoi? Du voile, c'est-à-dire de sa chair et dans l'autre version française courante de son corps. Vous vous souvenez à la croix du calvaire, dès que le moment le sang fut touché la terre, que ce qui s'est passé dans le grand temple, le voile s'était déchiré en Dieu, montrant l'accès vers Dieu. Parce que c'est lui l'accès de Dieu. C'est qu'il est ultimement le bon berger. Parce que par son corps, il t'ouvre la porte du salut. C'est pourquoi j'aime la communion, on va bien la prendre le mardi, tous les temps qu'on s'est réunis là, jusqu'au 31, on va prendre la communion. Alléluia. Amen. Je vous demande vraiment d'être bien préparé. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Alléluia. Par son corps blessé, on voyait là qu'il a inauguré la route nouvelle par le sang de Jésus. Donc maintenant là, tu as accès à tout ce qui est de Dieu par le sang qu'il a versé à la porte. C'est pourquoi il dit, je suis la porte. Mais qui est le portier? Amen. Alléluia. On va revenir sur ça, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Donc, il est la porte par son sang, mais il est le berger par sa personne. Alléluia. Est-ce qu'il y a combien de dieux? Les seuls dieux. Amen. Il y a combien d'expressions? Trois. Les dieux qui sont en toi, qui te conduisent, c'est qui? Amen. On peut dire le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ? Oui. Amen. Nous comprenons. Il est le bon berger par sa personne, par son esprit. Parce qu'on dit que le Saint-Esprit, on l'appelle aussi l'esprit de Jésus-Christ et par sa parole. Parce que le berger est conduit. Il a été porte pour nous à la croix du calvaire. Il est devenu berger pour nous éternellement parce que nous devons le suivre éternellement. C'est pourquoi quand il dit l'éternel est mon berger, c'est plus que simplement te donner des spaghettis. Alléluia. C'est plus que ça. Amen. Il prend soin de tous les aspects de ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il y a encore beaucoup de choses. On va continuer dimanche prochain. Seigneur, nous bénissons ton seul encore pour la grâce que tu nous as fait de comprendre la profondeur de ta parole pour moi aussi, pour la première fois de ces choses. Père, je te dis merci pour ton esprit de révélation, Saint-Esprit, qui glorifie le nom de Jésus-Christ. Laisse que cela soit opéré, établi dans le cœur de tes enfants, qu'il les donne aussi aux autres. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur. Nous te disons merci. Que ton nom soit loué et sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Tout cela est...